Le 31 juin 2012, Madame Anne Richard, secrétaire d'État adjointe à la population, aux réfugiés et à la migration, a visité la fondation Rama à Ouagadougou. Il s'est agi pour Madame Richard d'échanger directement avec les femmes victimes de fistules obstétricales et prolapsus et de constater leurs conditions de vie. I'm very glad to have visited Fondation Rama today. I learned a great deal about a very serious problem. I heard directly from the women who are affected. They told some very moving stories. Madame Cabrera Mata, la fondatrice, a retracé l'historique de la fondation, ses objectifs et les différents besoins. La fondation Rama, c'est une association que j'ai eu l'idée de créer en 1990. Et dans un premier temps dans mon village, parce que mon village était enclavé, et je voyais une tante qui était vraiment souffrante. J'ai constaté que cette tante ne pouvait pas aller là où elle voulait, elle ne pouvait pas aller au baptême. On avait construit sa maison à l'écart. Elle avait 62 ans, alors qu'elle a eu sa fistule quand elle avait 18 ans. La Fondation Rama aide aux femmes victimes de fistules obstétricales et prolapsus s'est créée le 14 juillet 1990. Mission et objectif de la Fondation Rama, organisation des séances de sensibilisation, identification des femmes victimes de fistules obstétricales et prolapsus. Dans cette cour, elles utilisent au moins 10 à 15 varicoutos par jour. Donc nous avons trouvé vraiment si on pouvait avoir un forage. Et parce qu'à l'heure actuelle, nous avons loué un local, ce qui n'est pas du tout facile pour nous-mêmes et pour les voisins. Parce que vous voyez, les toilettes ne sont pas du tout adaptées. Madame Richard a ensuite apprécié le travail abattu par la fondatrice, qui à son tour exprime sa reconnaissance pour cette visite de haut niveau. I also think that Madame here is a hero to me because she has been working on this for many, many years and she's making a real difference. She's really saving the lives of some of these women because they are rejected from society, they are cast off from society, and with the help of the foundation, with the help of UNFPA, and with other supporters, they're brought back to being part of life. It's inspiring, it's very necessary, and I'm going to tell a lot of people in the United States about this very important program. Merci, je remercie Madame Richard, Anne Richard, d'avoir accepté venir dans notre fondation pour voir concrètement ce que nous faisons sur le terrain et accepter d'échanger avec les bénéficiaires directement. Vraiment, je suis très, très contente, je suis émue, les mots me manquent vraiment.